Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous recevoir au Sénat. Merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Oui. Donc, avant de revenir sur vos projets d'avenir, on vous a découvert au travers de nos reportages. Je voulais m'attarder un petit peu sur l'actualité, comment y échapper. L'Algérie, de votre pays. Après la Tunisie, il y a comme un vent de contestation sur tout le Maghreb. Que souhaitez-vous pour cette région ? Alors d'abord un mot sur la Tunisie. Je me réjouis de ce vent de liberté qui souffle en Tunisie. Je pense que les Tunisiens ont réagi avec beaucoup, vraiment beaucoup de retard, mais ils l'ont bien fait à la captation du patrimoine de la Tunisie, doublé d'un régime policier où vraiment la peur dominait. Et c'est le mépris vis-à-vis du peuple. Parce que c'est le peuple, la révolution est au peuple et il ne faut pas la leur confisquer. Et là, ils vont assez loin parce qu'ils veulent vraiment la démocratie et la liberté. Alors en Algérie, la situation n'est pas de même nature, pas du tout de même nature. Les libertés sont respectées, les journaux, même si c'est même, à la limite, on pourrait dire même exagéré. Une grande liberté de la presse, liberté associative, liberté politique. Le problème en Algérie est complètement différent. L'Algérie sort à peine d'une période noire terrible, pendant 10 ans d'obscurantisme. Et là, l'Algérie sort de ça. Et même s'il y a des spasmes où on réclame moins cher, les choses moins chères, de la vie, une vie meilleure, si on réclame un peu plus de démocratie, ces spasmes ne vont pas jusqu'à ces renversements qui ont eu lieu en Tunisie, parce que l'Algérie sort d'une période difficile et je pense qu'ils savent ce que c'est que les troubles, parce que ça a amené beaucoup de victimes. Et donc, et puis l'Algérie est un pays riche où de temps en temps on peut dire, ben voilà, il y a une mesure qui va faire que ça va aller mieux. Comment réagissez-vous à la position française sur la situation au Maghreb ? Alors, je dois dire que le gouvernement français a fait preuve d'une incompétence totale. Et vraiment, c'est catastrophique la réaction de l'exécutif français face à ce... D'ailleurs, ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas senti ce qui se passait en Tunisie. Et c'est terrible, parce qu'il suffit d'avoir quelques amis tunisiens pour savoir très bien ce qui s'y passe. Et je ne comprends pas que le gouvernement n'ait pas été éclairé. Et je me désole des prises de position qui ont été celles du gouvernement français. Alors, retour maintenant sur la question de l'islam, un thème qui vous tient à cœur, on l'aura compris. Les hommes sont les ennemis de ceux qu'ils ignorent. Voici une phrase que vous citez souvent. Que représente vraiment pour vous l'islam ? Alors, quand je cite cette phrase d'Ibn Arabi, qui est un grand penseur soufi, c'est je fais appel à l'ignorance. C'est-à-dire que c'est... Je parle de l'ignorance et je voudrais dire à travers ça qu'il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se connaisse. Et il n'y a rien de mieux que la connaissance pour lutter contre les préjugés. Et l'islam souffre actuellement de préjugés négatifs qui datent de la période de la chute du mur de Berlin, où l'Occident, l'ennemi, le péril rouge qui venait de tomber, s'est créé un péril de substitution. Et ce péril de substitution a été le péril vert, qu'on a nommé comme ça. Et les néoconservateurs américains ont accentué ont créé ça de toutes pièces. D'où le 11 septembre qui a accéléré après le processus de stigmatisation des musulmans dans le monde. Et en France, nous sommes sur une petite planète et il y a une porosité des pensées. Et c'est normal qu'en France, nous ressentons ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le gouvernement français réponde à l'islam et donne à l'islam l'image que vous voulez donner de cette religion ? Alors, c'est une question très intéressante parce que nous avons assisté à une stigmatisation d'État avec la question, le débat sur l'identité nationale qui était très malvenu, les débats suivants sur la burqa, sur la viande halal, sur les minarets. Et donc, c'est une stigmatisation d'État qui est accentuée par le fait que Marine Le Pen vient de mettre vraiment l'islam au cœur des thèmes de la campagne présidentielle qui se profile.
Et c'est tout simplement scandaleux. Maintenant, ce n'est plus les immigrés, parce que nous sommes les enfants d'immigrés de plusieurs générations, donc franchement, on ne peut plus parler d'immigration. Maintenant, ce sont les musulmans. C'est-à-dire, il suffit d'être musulman pour être stigmatisé. Par rapport à l'échéance de 2012, on entend souvent, on reproche souvent à la gauche d'être divisée. La gauche a-t-elle à l'heure actuelle un candidat potentiel pour mener ce combat de la présidentielle ? Alors la gauche n'est pas divisée. Il ne me semble pas que la gauche soit divisée. C'est l'image qu'on veut bien en donner dans les médias et c'est toujours les petites phrases qui sont reprises. La gauche, notamment le Parti socialiste, est un parti démocratique où on débat. On débat, il n'y a pas un chef et puis on suit le chef. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Il y a des courants, des courants de pensée, des courants d'idées et ces courants s'expriment. Mais ce qui arrive toujours de très heureux au Parti Socialiste, c'est que nous arrivons à faire la synthèse entre nous. Si la gauche venait au pouvoir, quelles seraient vos réformes prioritaires ? Alors, pour le moment, notre projet, nous sommes dans une phase de convention, de réflexion, de convention thématique. Nous abordons ces conventions de manière la plus sérieuse possible et nous aurons la convention des conventions qui déterminera notre projet. Donc je ne peux pas vous dire à la place de la première secrétaire du PS quelles seront nos mesures prioritaires, mais je suis sûre qu'elles seront extrêmement pertinentes. Qu'évoque pour vous la notion de diversité en politique, dans les médias, mais également dans l'enseignement supérieur ? La diversité est une richesse pour tout le monde. Est une richesse, on se nourrit de la différence des autres. C'est une richesse essentielle. Le monde est divers. Moi, je déplore que dans les assemblées, dans les médias, dans les grandes institutions, il n'y ait pas plus de diversité. D'ailleurs, il faut travailler à la parité. La parité, vous voyez ici, au Sénat, il y a 20% seulement de femmes, alors que le but par la loi, c'était vraiment 50% de femmes. Donc, nous n'y sommes pas encore. Et puis, nous donnons des leçons à des pays... à d'autres pays. Je pense qu'il ne faut plus qu'on se pose en donneur de leçons, parce que dans les pays africains, dans les pays du Maghreb, il y a parfois plus de parité dans les institutions et dans les assemblées qu'il y en a ici. Donc ne nous posons plus en donneur de leçons. Si vous aviez un regret sur votre parcours politique. Je ne suis pas une femme de regret. Malheureusement, pas du tout une femme de regret, je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, je suis quelqu'un qui avance, un peu un rouleau compresseur. J'avance, je ne regarde jamais dans le rétroviseur. Quel est votre meilleur souvenir en tant que femme, en tant que politique ou les deux ? Alors en tant que femme, c'est bien évidemment la naissance de mes trois fils. Ça a toujours été un événement merveilleux. Les enfants dans la vie, c'est quelque chose d'exceptionnel, de merveilleux. Et puis peut-être aussi, puisque vous parlez de la femme politique, mon premier mandat local dans le 16e arrondissement, la mairie du 16e arrondissement, ça a été pour moi un vrai bonheur. Et bien évidemment mon arrivée au Sénat, parce que là aussi, première sur la Lune. Merci beaucoup Madame Chiari. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Premier sur la Lune.